Salut tout le monde, c'est Seb, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc on se retrouve dans un nouvel épisode de The Last of Us. Donc vous vous souvenez, on recherchait après Bill, donc le mec qui est là-bas, un ancien ami de Joël. Donc il doit nous aider à réparer une voiture pour partir d'ici avec Ellie. À partir de la ville. Donc vous vous souvenez, on est arrivé dans un lycée, abandonné forcément. Et on doit ressortir d'ici, on doit trouver une sortie. Donc là on va y aller tout doucement. On va peut-être déjà s'occuper du claqueur qui est là-bas. Bon, pour l'instant, je peux pas fabriquer de molotov, c'est bien dommage. Après, il y a un infecté là-haut, je vais pas allumer la torche, je peux pas faire opérer. Bon, je peux toujours pas fabriquer. Passer au pont. Ah zut zut zut, oui c'est très ils ont une très bonne oreille, je l'avais dit. Ah zut zut! C'est raté, le premier m'a bien entendu, pourtant j'ai avancé tout doucement, c'est pas grave. Donc là, je pense que je vais faire, je vais y aller franchement au pont, ce premier claqueur. Il y en a même deux. Donc ça c'est le jeu. Voilà, c'était une stratégie payante. On pourrait passer par les salles de classe. Je prends la bouteille. Si je veux plus tard fabriquer des molotov. Si je veux que j'ai des trucs. Voilà. C'est fait ici. Allez, cherche un peu des choses. S'il y a rien à fouiller, c'est bon. On part pas là-bas. Y'a rien là non plus. J'ai déjà fait des éditions. Passage. On se démerde pour passer. J'ai essayé l'arc. Non, raté. Casse-toi. Bon, quand ça s'est réglé, bon, c'est encore une fois loupé. En fait, il faut concentrer longtemps pour que ça se lève légèrement. J'ai foiré. Bon, c'est pas grave, le résultat est là. Le principal, c'est que je suis pas mort. On dirait qu'il y a un passage dans le couloir. Beaucoup d'endroits où se planquer. Je vais passer au flingue. Voilà, on continue. Ok, prêt. Bon, on peut passer. On va l'ouvrir à deux. Allez. On a d'autres chemins. Barricadez les portes. Ça marchera pas longtemps. C'est pas bon signe.
Donc là, on tombe sur le premier boss qui nous balance des gerbes. Ah là là, vite, il change d'arme. Ah putain, attends, comme partout de partout, il peut mourir. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps de changer. Je dis, ça prend vraiment du temps. Allez, je crois que c'est... Donc là, c'est pareil que les claqueurs, c'est du coup, je vais en un coup. Hein. Vas-y, occupe des petits plus affectés, toi. Moi, je vais occuper de lui. Il s'en occupe pas. Non, je vais cramer. Est-ce que ça va suffire? Non, ça suffit pas. C'est bon, il est mort. Allez. Impeccable, donc là il est bien brûlé. C'était quoi ce truc difforme? Ça fait longtemps qu'il est infecté. On les appelle. En fait, c'était bon que je voulais prendre, mais le résultat, c'est que je l'ai bien allumé, là il est bien brûlé. Vraiment navré d'interrompre votre cours de biologie, mais j'aimerais foutre le camp d'ici. Mais c'était pas là. On se barre d'ici. Allez, on y va. Ok. C'est parti. Ok, allez. Joël, derrière. C'est bon, tu les as eus. Remonte vers toi. Voilà. On monte. Voilà, donc on a su sortir du lycée. On peut jouer vite fait, c'est rien. Là, au point de vue, il y a du bruit. Faut pas rester là. J'ai vite reprendre des vies. Si je peux. Bon, je le répète, hein, mais c'est vraiment magnifique. Il y a vraiment des beaux décors. Sorti. Ok. Je vais aller inspecter cette partie de la maison. Bill, quelqu'un a eu la même idée. On m'a volé mon matos. Alors maintenant, c'est quoi le plan B? Tu devrais t'estimer heureux d'être toujours en vie. C'était le plan A, B, C, et comme ça jusqu'à Z. Et tant que tu y es, dis à Tess que son putain de boulot. Ne mêle pas Tess à ça. Elle peut se tout ça n'a rien à voir. Putain. Quoi, tu connais ce type? Frank. Et c'est qui, Frank? C'était mon partenaire. Il n'y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre. Ici,
Et... Je... suppose qu'il voulait pas se transformer, alors... Ouais, ça doit être ça. Tant pis pour lui. Hé, regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. C'est ma batterie. Quel enfoiré. Descends. Descends. C'est bon, ça va. La batterie est à plat, mais les accus fonctionnent. Du coup ? Du coup, on la pousse, on la démarre et l'alternateur va recharger la batterie. T'es sûr de ça ? Écoute, tu voulais un plan B. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis que tu conduis et qu'on pousse. Voilà, donc on a trouvé la voiture. Les trucs à moi. Donc là, on va peut-être chercher après les provisions, tout ce qu'il faut avant de partir. Donc là, on est tombé. Son ancien camarade de Bill. Donc, ouais, bonne idée. Qui a mis fin à ses jours. Je te préviendrai. Là, à première vue, voilà, on est tombé sur sa lettre. Derniers mots, donc là on ramasse tout ce qu'il y a à trouver, on se dépêche, on perd pas de temps pour ça, donc là on fait vraiment plein. Alors, vu, j'ai tout pris, donc, c'est bon, on retourne voir Bill. Ouais. Bill, j'ai trouvé ça et je voulais que tu l'aies. C'est ce que tu ressens. Va te faire foutre, Franck. Mais quel con. On y va. Okay. Je vais récupérer. Donc là, il va falloir pousser la voiture pour la faire redémarrer. C'est déjà fait. Garde le pied sur l'embrayage, et quand ça commence à rouler... Je sais passer une vitesse. Comment tu sais ça? En fait, je m'en fous, mais fais pas tout pareil. Ok, Ellie, prépare-toi. Non, vas-y! Accélère! Bien joué, petite. Bill, ça nous aide pas. Ellie, on va essayer encore une fois, reste concentré. Si on arrive à atteindre la colline... Je vais redescendre. Ok, de l'autre côté, à gauche. Ok, on m'a pas entendu. Il a été joué un peu. On va pas traîner parce que là, on risque d'y avoir du monde, surtout le boucan qu'on est en train de faire. Ouais, il y a encore un claqueur. Et on repart. T'as vraiment foutu ma journée en l'air. Tu sais ça, Joël, hein? Thank you.
Voilà, donc la voiture a démarré. Ah, lâche-moi toi. Perds pas de temps. Soit on a alerté les infectés du coin. Et on grimpe la voiture. Ok, c'est bon. Stop. Laisse-la tourner, ok? Cette gamine a failli nous faire tuer. Admets-le. Elle s'en est bien sortie, là-bas. Toi, tu vas y laisser ta peau. Oh, oh. Tiens. C'est quoi? T'imagine pas le nombre de caisses qui contiennent encore de l'essence. C'est sympa. Coup de Bill, à propos de ton pote tout à l'heure, c'est vraiment moche. Et je... On est quitte. On est quitte. Alors foutez le camp de ma ville. Tu devais pas dormir? Ok. Je sais que ça en a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Il y a qu'un problème. Regarde, la suite prochainement. J'ai horreur du suspense. Où t'as trouvé ça? Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout. Et t'as pris quoi d'autre? Ben... Tiens. Ça te rend un peu nostalgique? Tu sais, ce truc date en fait d'avant mon époque. Oh. Mais c'est une belle trouvaille. Wow. Bon, c'est mieux que rien. Non. Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Mm-hmm. Y a pas grand chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Wow! Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Allez, jette-moi ça! Attends un peu, je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Oh, pourquoi les pages sont collées? Je me fous de ta gueule, c'est tout. Allez, salut! Tu sais quoi? C'est pas si mal, en fait. Pourquoi t'essaierais pas de dormir? Je suis même pas fatiguée. Oh non, non. Ah, super. On fait quoi? Fais chier. Doucement. Pitié, aidez-moi. Est-ce qu'on va l'aider? Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type, alors? Oh, il est pas blessé. Ça va, je
vais bien. Alors descends, vite. Tiens-la, toi. Merde. Moi, espèce d'enfoiré. Voilà, donc on est arrivé dans une nouvelle ville avec la voiture donc que Bill nous a confiée. Et nous avons... Bah, nous sommes tombés dans un guet-apens. Je le tiens. Bah, attends, attends. Faut que je me barre d'ici. Faut que je me tire le canon de cœur là. Bah, je suis mal en point. Bah, il s'est passé un autre truc. Je suis vraiment désolé, là. Je tapais le mec, on t'en voyait bien. Vous pouvez voir dans la vidéo. Je tapais bien, mais ça touchait pas. Donc, je vais pas recommencer la même technique, que ça a mal tourné. Je peux pas fabriquer un autre. Je reste au fond. Et bing. Lui c'est aidé. Faut pas qu'il bouge. Allez. Shit. Marteau. Oh là là, il m'en veut. J'ai pas de soin, c'est pas grave. Sois pas têtu, abandonne. Je suis très mal en point, je vais pas essayer... Bah j'ai tout fait pour pas mourir. Sans l'en coup mourir maintenant. Joël, et... là. Ouais, un bec. Merci. On peut voir les décors sont vraiment réussis, hein. C'est vraiment sympa. Putain de merde. Bon, je pense que c'était le dernier. Non, oula, c'était pas le dernier. Petite musique m'a induit en erreur. C'était pas le dernier. Ben, je vais dire bien. C'est très difficile à gérer. Oui, il bouge tout seul, là, je bouge pas. Vous pouvez voir la manette, allez, bon, ça bouge tout seul. Je crois qu'on les a tous eus. Ça va? Je peux pas le dire avant. Tant mieux, parce qu'on doit foutre le camp d'ici. Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à récupérer.
semaine. Bien reçu. Voilà, pour ça c'est bon. Alors maintenant, on doit aller par où? C'est au cas de question qu'on ressorte par là. Tu vois un truc? Allez! Vas-y! Essaie de trouver un truc pour la retenir. Il y a des trucs vraiment dégueux par ici. Allez! Ouais. Ok, vas-y! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Regarde. Voilà, donc tous les passeurs tombaient dans un guet-apens et se faisaient en fait dépouiller tout simplement. Là, on peut voir. C'est l'inventaire, si je vais revenir dessus. Donc c'est l'inventaire, tout simplement, de ce qu'ils ont pu récupérer. Foutu chasseur. Ça aurait pu être nous. La vache. Tous ces gens ont vraiment pas eu de chance. Je savais que j'aurais dû prendre une autre route avec le camion. On est en vie. Tout juste. Voilà, donc on a trouvé petit champ camp d'ici. Les fumigènes. Comment t'as su? Sur quoi? Pour l'embuscade. J'ai déjà été à leur place. Oh. Alors, prends ça pour un oui. Prends-le comme ça t'arrange. Ah. C'est ici que ces connards dorment. Enfin, dormaient. T'as toujours le sens de l'humour. Ça après, donc là, ici qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux portes jaunes. Donc là on a la carte de la ville avec les ennemis, ils font des embuscades. Ok, voyons ce qu'on a. Donc là, qu'est-ce que je peux améliorer? Puissant, capacité, non. Je vais peut-être améliorer pompe. Capacité, peut-être pas, ça me prend tous mes points. Je vais mettre ça au chargement. La cadence de tir, voilà, je vais mettre ça. Peut-être le recul, pour être plus efficace. Je suis amélioré dans le truc, voilà. Oups, désolé. Comme ça, c'est fait. C'est pas mal. Voilà, donc je vais tout se récupérer et on y va. Donc là, on va passer par l'autre porte.
Peu importe. Ne restons pas là. Bon. Voilà le pont. C'est notre sortie. Ellie, ralentis. Attends-moi. Quoi? Je suis là. Laisse-moi passer devant, tu veux? Et puis parle moins fort. Ok. Donc, comme je l'ai dit, les décors sont magnifiques. Voilà. Pour la Play 3, c'est vraiment du très bon travail. Donc ici, à partir d'ici, c'est là où j'étais arrivé dans ma première sauvegarde. Donc j'ai commencé à jouer joueur caméra. Donc là, ça va être vraiment de la découverte. Donc à partir de maintenant, ce sera de la totale impro. Ah, super. Encore un truc qui va me rendre fou. Et doucement, on va encore tomber sur des gars. Je sais pas pourquoi. Non. C'est bizarre, c'est trop calme. Qu'est-ce que je disais? Ellie, baisse-toi. T'as appris à tirer. Ellie, vite! Il y en avait plein, et tu les as tous ratés. Toi, je vais pas te rater. Waouh! Arrête, tu me fais peur. Bah, si jamais tu veux des leçons, n'hésite pas, je peux t'aider. Ouais, c'est ça. Je sais d'y aller à l'arc sans faire repérer. Il devrait être là. Ils surveillent la nationale. Ça m'étonnerait pas du tout qu'ils aient chopé un autre. Donc, le petit son, je l'ai pas dit, mais le petit son, vous entendez celui-ci, voilà. C'est quand on se repère au bout d'un moment. Si vous attendez trop longtemps, vous faites repérer. Il n'y a rien ici. On continue. Oh merde! Oh, c'est un flingue, c'est un arc. Je m'en charge! Non, c'est bon. Ouh! Oh, c'était violent. Voilà! Voyons ce qu'on peut trouver. Tu m'as vu? Je lui ai mis en plein dedans! Ah, je l'ai pas, désolé. Donc là, la petite Ellie est un petit peu trop perspicace. Je vais tout fabriquer ça. Une bombe en plus. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je vais peut-être reprendre des soins tout de suite. Donc là, ce qu'on va faire, on va encore avancer un tout petit peu et on arrêtera la vidéo juste après. Il n'y a rien à trouver. Je regarde de vite fait, ça on s'en fout, je n'ai pas de soin. Alors, on va essayer sur le bus, voir si on peut passer. Bien vu. On peut grimper sur ce bus là. Ah, c'est déjà fait. Et pas tout prêt. On y arrivera. C'est à ça que ressemble la plupart des zones. Cet endroit est abandonné depuis un bout de temps. Donnez-nous nos rations. Pourquoi ils ont pas donné à manger ? Des fois, ils n'en avaient plus. La plupart du temps, ils la gardaient pour eux. Ça, c'est jamais arrivé à Boston. Crois-moi, ça arrivait tout le temps.
Donc je pense qu'on va passer ici. Donc je pense qu'on va... On va rester là, je pense, pour le suspense. Attends qu'il y arrive, voilà. Donc je pense que pour cette partie, on va en rester là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était remplie de rebondissements. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé donc cette petite partie. Hein. Voilà, donc on se rendez-vous pour la prochaine, et salut, à plus.